Agnon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Épisode numéro 4, c'est parti. Et du coup, aujourd'hui, on est samedi 10 septembre et je vais à la K Street Festival dans le 15e avec ma copine Zita. Voilà, pour commencer le week-end. Let's go. On est arrivé avec Zita la Best. Toujours moi. Let's. La tête toujours elle. C'est une belle invention. Hein. T'imagines, t'aurais dû marcher tout ça? Non. Tu vois, tu fais un peu de pas. Ouais. T'avances super vite. Donc ah. Il faut. Sinon, c'était trop bien. Ouais. Du coup, on a trop bien mangé. Un beau gosse, mais je ne vais pas parler. J'ai beaucoup l'homme de ma vie. À ce qu'il. Et là, je rentre avec le cœur coincé, le cœur serré. Elle rentre bredouille. Dans la main. La gorge nouée. Non, ça y est, c'est bon, on dose. Voilà. J'ai passé une bonne journée, mais voilà. Mon futur mari, je le connais pas encore. Moi non plus. On a l'air déprimé, arrête, oui. Bah, après, genre, tu vois, je me suis dit, un vrai beau gosse et tout. Et tantôt, voilà. Il est parti chez lui, moi je suis rentrée chez moi, on se connaît pas. Genre, je n'ai pas fait la rencontre de mon futur mari, genre. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est grave. Ça y est, ça y est. Non, il était là vraiment genre, moi je suis là, je chante, je crie. Le gars il est genre, là il y a son pote, là il y a lui. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je peux pas lui parler. Parce que comme j'ai dit, en fait, en tant qu'insociable, on commence à sociabiliser avec les gens. C'est vrai. Mais on sociabilise pas encore, on sociabilise pas encore avec les beaux gosses. Matcha. C'est trop tôt. Alors voilà. Un jour, hein. Un jour peut-être. Peut-être le 23. Ah, le 23 aussi. Vas-y. Agnon, salut. Il est très tôt là. Il est 6h. En plus, j'arrivais grave en avance. La banane est immense. Je vais manger mes affaires. Direction la Parisienne. À Champ de Mars, Tour Eiffel. Pour garder des enfants. Pendant que les mamans courent. Du coup, la Parisienne, c'est un événement où les femmes courent pour les recherches contre le cancer, il me semble. Donc, let's go.
Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup par rapport à la K Street Festival, c'était trop bien. On a galéré à rentrer parce qu'on s'est trompé de chemin, etc. Mais j'ai fini par rentrer chez moi et je me suis dépêchée pour pouvoir publier le vlog. Le dernier épisode que vous avez vu, et j'ai réussi. J'ai dormi 4 heures et je suis partie à la Parisienne, donc la course. Moi j'étais du coup sur le stand de la garde d'enfants et ça s'est bien passé. C'était cool, franchement, comme expérience. J'ai quand même apprécié. J'ai rencontré des gens trop cool. Regardez, je sais pas si ça se voit, on m'a fait un cœur. Ça a dû partir un peu. En plus, c'est rouge, bref. Et j'ai ça aussi. Une petite couronne. Et les filles, c'était trop cool. On est arrivé à 7h30, 7h45. Il y avait plein de choses à faire. On a gonflé des ballons. Il y avait plein de stands. Moi, j'étais au stand bingo. J'ai fait du bingo avec les enfants. J'ai fait quelques manches. C'est assez long quand même. Il y avait peinture, dessin, atelier bandeau, je sais plus quoi, maquillage. C'était trop drôle en vrai. Il y avait aussi les trucs là, comment ça s'appelle? Vous savez, ils tiennent comme ça et ça saute là, les boules, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, vous voyez là. Et je crois que c'est tout. Un côté lecture aussi. Et des trampolines. Donc c'était intéressant comme expérience. Moi j'ai un peu tout fait. J'ai gonflé les ballons. J'ai fait l'atelier bingo. Et j'ai fait même le maquillage des enfants. Je vous mets les photos inspiration que j'ai dû faire. Et j'ai réussi, donc je suis trop contente. Heureusement que j'ai un peu le coup de main. Bref, c'était trop cool. J'ai bien aimé, je suis rincée, je suis KO, mais c'est cool. Je vous avais dit aussi que j'allais vous montrer un peu mes cours que j'ai oublié de vous montrer, donc je vais vous montrer ça maintenant. Déjà, je me suis racheté un petit classeur comme ça, vous savez, pour mettre les fiches comme je vous ai dit, et j'en ai fait déjà pas mal. Je vais faire des petits close-up pour vous montrer juste à côté. Protocole de soins simplifié, sur l'échange, sur le lavage simple des mains, sur le nettoyage et la désinfection du plan de travail, les accidents domestiques, prévention des risques, adopter une posture professionnelle adaptée, bref, plein de trucs, des choses sur la fièvre. Et j'ai pas terminé, je suis pas à jour encore. Je devais en faire cette semaine, je vais essayer de les faire maintenant, que je, histoire de pas être à la bourre. Ensuite, en termes de livres que on nous a dit d'acheter, on a le livre de PSE qui se présente comme ça. Donc il y a plein de mises en situation, tout ça. Et il y a une correction normalement interactive avec la prof. Mais je sais pas trop. On l'a pas encore activée. Peut-être on l'activera lundi, je pense. Donc voilà. Et on l'a pas encore commencé. Mais il a l'air sympa. J'ai un peu regardé, mais pas plus que ça. Et le deuxième livre, c'est celui-ci. Donc le CAP Petite Enfance. Non, pardon. Objectif CAP, accompagnant éducatif Petite Enfance. Donc EP1, EP2 et EP3. Donc c'est des cours. Clairement c'est des cours. Il y a des QCM. Donc 200 QCM avec les corrections. Donc tu t'évalues à la fin et tout. Je sais pas si on voit très bien. Mais voilà pour les livres. Et c'est tout. Je pense qu'on est beaucoup de CAP à voir celui-ci. Donc à toutes les personnes qui le passent en candidat libre, en distanciel, ben, vous pouvez aussi vous procurer ces livres. J'espère qu'ils vous aideront et que vous allez avoir aussi votre CAP. Donc voilà pour moi. Je pense que la vidéo est un peu longue. Enfin, je pense qu'elle fait une durée raisonnable. Donc ce sera tout pour moi. Et cette semaine, ce sera la vidéo de la semaine. Comme ça, moi, c'est fait. Je vais essayer de la monter. Et je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Pour le coup, j'ai posté sur Insta l'événement auquel j'ai assisté. Là, je vous ai partagé surtout la bouffe et quelques extraits du concert qui était tip top. Le concert était trop bien. Honnêtement, je ne connaissais pas les artistes et je me suis enjaillée comme pas possible. J'ai une nouvelle sortie avec Zita le 23 septembre, donc restez connectés. C'est Kenite
pop, je crois que ça s'appelle, à Châtelet, le lac, ou je sais plus où là. Si vous êtes intéressé, dites-moi. Et voilà! Bye! Annyeonghaseyo! À bientôt! Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je voulais vous dire, mais est-ce que j'ai pris? Attendez. Comme je vous ai dit aussi, j'ai rencontré des gens trop adorables et on a pu prendre des photos. Je vais flouter les images, mais en gros, c'est avec Kangourou Kid. Et voilà. Et on a pu les imprimer, donc c'est trop cool, ça me fait des petits souvenirs. Je suis contente. Et la personne sous ce costume, c'est moi. Oui, on m'a obligée à faire ça. Enfin, obligée entre guillemets, mais un peu, puisque j'allais pas laisser les mêmes personnes la refaire encore. Tu te reconnaîtras si un jour t'arrives dans cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais si c'est possible, c'est fort possible. Du coup, on s'est aussi déguisé en mascotte. Je voulais pas faire ça. Et j'avais dit que je rentrais pas dans le costume, mais on m'a quand même mis. Et après, j'ai fait des photos avec les enfants. C'était n'importe quoi. Enfin bref, c'était quand même cool. On nous a donné les t-shirts, donc j'ai des t-shirts Kangourou Kid chez moi. Et j'ai passé un trop beau moment avec les filles. Et je reste en contact avec deux d'entre elles. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool et ça me fait plaisir. Ah oui, on s'est aussi acheté des tote bags avec l'événement écrit dessus, du coup. Et du coup, il est trop beau, je trouve, comme tote bag. Donc, je valide.